La ligne n'existe pas, elle est déjà la forme. L'ombre n'existe pas, elle est déjà la lumière. Le secret serait de capter sur une toile chaque forme dans sa lumière, c'est-à-dire au moment précis où la lumière devient la forme. Ce serait comme de voir un arc-en-ciel en pleine nuit. Ainsi s'exprime Jacqueline Lamba dans le catalogue de son exposition à la galerie Nordlist à New York en 1944. Jacqueline Lamba, plus connue comme la seconde femme d'André Breton, l'inspiratrice du livre mythique du surréalisme, L'amour fou, n'a cessé toute son existence d'être une artiste et une peintre. La peinture fut sa vie, son combat, sa respiration. Certes, il n'a jamais été facile pour une femme d'être tout simplement peintre, et les rares artistes du XXe siècle, dont le nom reste encore dans les mémoires, ont pratiqué le rare avec difficulté, soit dans la solitude, soit en marge de la société. La reconnaissance était rarement au rendez-vous. Jacqueline Lamba appartient à ces pionnières qui ont ouvert le chemin de l'obscurité vers la lumière. Jacqueline Lamba est née à Saint-Mandé, dans la banlieue sud de Paris, le 17 novembre 1910, sous le signe astrologique du Scorpion. Cinq planètes en Scorpion, signe d'eau, nous indiquent qu'à travers ses crises intérieures et ses passions douloureuses, Jacqueline peut détruire, mais aussi se transformer et se transcender. Son irrésistible soif d'absolu et sa quête perpétuelle de vérité sous-tendent son destin. Entière, exigeante, profonde et secrète, telle apparaît Jacqueline à l'aube de sa vie.